Bien le bonsoir à tous. Il nous est tous déjà arrivé de subir des situations pas très agréables lors de nos sessions de jeu sur Borderlands 3. Oui, des trucs un peu casse-buante, tu vois. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-unes, car je vais pas te mentir que j'en ai déjà vécu vraiment pas mal. Lorsque tu passes 10 minutes à trouver les bons bonus de ton Lucky 7, et qu'une fois que tu les as, tu tires comme un bourrin et tu vides ton chargeur. Lorsque tu fais une glissade dans un portail, et pouf, ton jeu y crash. Lorsque tu passes 30 minutes à commencer le raid Eridien, que tu galères comme pas possible et que tu tombes comme une merde dans le vide ou que tu te fais pousser dans le vide par un Eridien. Bon, depuis certaines mises à jour, on a moins l'impossibilité de tomber suite aux plateformes, mais quand même. Quand tu farmes un item bien précis, un item qu'il te faut absolument, et que tu lootes que des items world drop claqués au sol. Je pense notamment aux grenades Epicenter que j'ai lootées en masse quand je fermais ma spark plug. Ça loot pool, mais je loot toujours des Epicenter dessus. Quand tu mets une semaine à farm un item que tu veux absolument pour finir ton build, et qu'une fois que tu as passé ta semaine à l'obtenir, tu le loot du premier coup sur un mob totalement random. Quand tu tombes en combat pour la survie, après avoir tué le dernier ennemi vivant. Alors souvent, ça t'arrive suite à une mauvaise manip. Un petit lancer de grenade dans le vide, ou à tes pieds, des petits dégâts de zone qui te font tomber en combat pour la survie. Et vu que tu n'as plus d'ennemis, eh bien tu es chocolat. Quand tu lootes enfin ton item, que tu le vois voler dans les airs, et qui, une fois en l'air, tombe dans le vide, tu te dis, ok, j'ai ma machine à butin perdu à Sanctuary, mais cette petite machine est pleine. Pareil, tu es chocolat. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ces situations? Réponds-moi en commentaire. Et si ce petit format de vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à me partager tes mauvaises expériences que tu as vécues pendant tes sessions Borderlands 3. Et peut-être qu'avec toutes vos mauvaises expériences, on pourra faire des nouveaux épisodes de ce type de vidéo. Comme toujours, si ça t'a plu, tu mets ton petit j'aime, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Ça me fait grandement plaisir. Merci à tous d'être toujours là. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.